Comment te portes-tu, Arnaud ? Quoi ? 400 nobles en armes honorés ? Sans la présence du général Lafayette ? Assez ! Veux-tu bien cesser tes jérémiades ? Tu ne fais que parler sans agir. Et voilà un homme porteur de bonnes nouvelles. Arnaud, qu'as-tu appris de l'orfèvre ? Poison. Quelle vermine. Germain a fabriqué cette épingle ainsi que d'autres pour un dénommé Lafrenière. En es-tu sûr ? Certain. Le grand maître de la serre le tenait en haute estime. Fort bien. Ta mission est claire, Arnaud. Trouve Monsieur Lafrenière. C'est déjà fait, monsieur. Il n'est plus un danger pour nous. Qu'est-ce que tu viens de dire, merdeux ? J'ai remonté la piste jusqu'à Lafrenière. Je l'ai suivi et je l'ai tué. C'est un mais bon sang, qu'est-ce qui t'a fait ? Tu défies le gardeau à chaque fois que tu vas foutre le conseil ! Que fais-toi, Unic ? Ce conseil admire ton zèle, mais il ne t'appartient pas de choisir tes cibles. Tu aurais dû nous rapporter ce que tu avais découvert. Pardonnez-moi, Mentor. Je pensais avoir trouvé l'homme qui avait ordonné le meurtre de Monsieur de la Serre. Lorsque j'ai découvert de nouvelles preuves, suggérant qu'il s'apprêtait à lancer une attaque contre la confrérie, j'ai décidé d'agir. Penser ? Suggérant ? Je ne suis plus sûr des motivations de Lafrenière. Dans ses souvenirs, je l'ai vu écrire la lettre qui aurait averti Monsieur de la Serre de sa trahison. Lorsqu'il a parlé de l'attaque à venir, il visait un club du Marais et non l'une de nos bases. Quelles sont tes conclusions ? Il est trop tôt pour le dire. J'aimerais enquêter davantage. Je n'aime pas ça. Ce garçon est un assassin brillant. Mais je crains qu'il ne soit aveuglé par son désir de vengeance. Confions cette mission à quelqu'un d'autre. Le temps presse. Quoique Lafrenière ait préparé, cela se produira ce soir. Cette fois, il a demandé la permission, Guillaume. Ah ! Alors va, vois ce que tu peux apprendre. Mais pas d'autre imprudence. Oui, Mentor.
Bonne journée, Arnaud. J'ai une mission pour toi. Toute cette énergie... Oh, ça me fatigue. Il n'y aura pas pour tout le monde. Oui, monsieur. Serait-ce une espèce de... Ça vient de là-bas. Encore lui ? Pas d'inquiétude. Approchez ! Il est prêt, mon poisson ! Il est prêt ! Tu t'en vas ? Pourquoi ? Je voulais simplement t'arracher les oreilles ! Révolution. Le propre de l'amour est de semer la division. Mais laissons, madame. C'est un petit vin exquis. Je m'en donnerai des nouvelles. Je t'en... Voilà l'endroit. Pourquoi la Frenière s'y intéressait tant ? Emmenez-le là-haut, vite ! La Touche, mon vieil ami. Tu vois du pays, n'est-ce pas ?
es timide? Pourquoi? On est... Non, je n'aime pas ça. Bon Dieu, mais qui t'a tué, toi? Citoyen, un condamna à mort ce qui était assez sacrilège pour se déshabiller devant l'image de l'empereur. Quand la tyrannie eut inventé les crimes de lèse-majesté, qui étaient ou des actions indifférentes ou des actions héroïques, qui eût osé penser qu'elle pouvait mériter une peine plus douce que la mort, à moins de se rendre coupable lui-même de lèse-majesté, quand le fanatisme... Mais de l'union monstrueuse, de l'ignorance et du despotisme inventa à son tour les crimes de lèse-majesté divine. Oh, combien de temps faudra-t-il encore passer? D'autres affaires m'attendent. Je n'abandonne pas, je sais que je vais t'avoir. Que les politiques soient partout. Allons-nous apprendre de quoi rime le jour. Oui, je le ferai clair. Ça ne me plaît pas. Votre plan est encore trop fragile. N'oublions pas que la première est toujours aussi impatiente de vous envoyer au bûcher. Ah, vous n'avez pas appris la nouvelle? Quelle nouvelle? La première. Il y a quelque chose. Voilà qui semble bien commode. Ah, c'est l'avantage avec les assassins. Parlez-leur d'un complot templier et ils chercheront pas à en savoir plus.
Ils tueront sans poser de questions. Ça, c'est prévisible. Venez, allons chercher le capitaine avant de commencer. De toutes les passions qui maîtrisent le cœur de l'homme. La plus terrible de toutes les peines pour l'homme social. C'est le propre. C'est totalement différent. Je suis un gentil. Pour le législateur, tu m'as tout l'air d'un voleur. Et de tant de manières, comment pourrait-il se voir réduit à employer la peine? Là derrière, ça ira pas plus vite. Dis-moi ce que je veux savoir. C'est terminé? Presque. Écoute-moi bien. Je peux continuer comme ça toute la journée. Mais toi, tu ne tiendras pas plus d'une heure, peut-être deux. Moins encore si je te travaille à la lame. Alors autant écourter ton supplice. Dis-moi où il se trouve, et je mets fin à tout ça. Luxembourg. L'est-il? Palais du Luxembourg. Tu vois quand tu veux. Rui, nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. J'arrive tout de suite. Vous avez entendu la fouine, les gars. Vous l'avez vraiment jeté par la fenêtre? La place des ordures, c'est dans le caniveau. C'est fâcheux. Vous avez pensé aux témoins? Quels témoins? J'avais des hommes partout. Ils savent faire taire, mais ça va pas. Vaudrait mieux. Le grand maître sera furieux si son plan s'écroule à cause d'un malheureux cadavre. Là, oui. Ha, je t'ai eu. Attrapez-le! Louis entretenait toutes sortes de relations avec les anciens. Il se fait contre la révolution des mains, conjurant soutenir la constitution. Bien, je suis confiant de ces informations de votre personne. Bien entendu, grand maître. Grâce aux preuves réunies, la condamnation du roi est acquise. Vous avez dit que vous pouvez faire parler. Vous avez fait vos preuves, capitaine. Marie? Affamez-les. La famine et la colère. La nature de l'empereur. Mais procédez. Au-dehors, et nous attirerions une attention plus souhaitable. Que vous demandez, c'est au moins un an, grand maître, sinon deux.
allure ! Ton père ne t'a donc rien appris ? Normal. Le grand œuvre exige de la méthode, ma chère. Si Paris doit souffrir plus longtemps pour que renaisse le monde, qu'il en soit ainsi. Pourquoi ne pas le tuer et en finir une fois pour toutes ? Un tueur, une lame, un couloir sombre ? Ce serait facile. Nous voulons un condamné, capitaine, pas un martyr. Un peu de patience. Avec mes respects, grand maître, la patience est louable. Mais plus nous attendons, plus nous risquons d'être découverts. Les assassins ont déjà trouvé Sivert et le roi des Thunes. Siver et le roi ont tenu leur rôle. Leur élimination, bien qu'inopportune, n'est pas un obstacle. Et les assassins ont prouvé leur utilité quand on sait les guider. Et la fille de Delacer ? Elle pourrait se révéler dangereuse si elle parvenait à rallier la vieille garde. Ce problème n'en sera bientôt plus un. Et comment ? Mademoiselle Delacer se rendra bientôt à l'hôtel voisin afin de discuter avec Monsieur Lafrenière. Hélas, Monsieur Lafrenière n'a plus grand-chose à lui dire. Élise. Habile, grand maître. Et vous avez eu affaire aux assassins, vous aussi. Quelle exécution de votre tâche. D'abord, je savais où sanctuaire. On dirait qu'on a une fouine, les gars. Attrapez-le! Surveillez les issues. L'espion va tenter de s'échapper. Du roi.
Je vais t'étriper, bandit. Arrachez les chairs. On y me...
sortir. Par ici. Vous avez mes plus humbles remerciements.